Alors, bonjour YouTube, on est sur The Golden Idol of the Pipi of de l'île Dorée. Rappelle-toi YouTube, il y avait un gars, il s'était fait jeter par dessus d'une falaise, et l'autre gars, il l'avait tué, lol. Il avait récupéré une statuette qui a des pouvoirs magiques, et là, il était mort à cheval. Et puis alors là, dans son héritage, il y a un gars, il a cramax un max, et là, du coup, quelqu'un est allé tuer le gars qui avait l'idole pour la donner à son patron, qui devait être assassiné, mais en fait, c'est Rose qui a bu le poison avant, et puis alors là, il y a eu quelqu'un qui est venu tirer l'idole dorée chez le gars qui n'était pas mort, du coup, puisque c'est Rose qui a bu le poison et qu'il a survécu, et du coup, il y a eu... une explosion et tout, parce que le gars il a fait des dingueries. Et en fait on a vu qu'on a découvert qu'il y avait un culte secret bizarre, qu'il y avait des masques et des tuniques et l'idole dorée. Et puis il y a Lazarus, mes couilles, il a volé dans le ciel et du coup il est maintenant le grand pigeon. Il a jumped from the lighthouse, du truc là, le lighthouse, vous savez, au bord de la mer, ça tourne avec la lumière et ça fait pour les bateaux, pour qu'ils se prennent pas des putains de falaises. And survived, voilà, il a survécu grâce au pouvoir de l'idole dorée. Voilà, vous voyez sur le petit dessin, il était à Califourchon sur il a utilisé l'idole dorée cachée dans un bâton, et le maître Angus McBain a essayé de prouver que c'était de la merde en répétant le miracle, comme c'était possible dans le culte, le rituel, voilà, le rituel pour prouver qu'on est le grand pigeon magique, le pigeon renaissant, le pigeon de la renaissance. Et il a essayé donc de répéter avec la canne, mais il s'est planté, il est mort écrabouillé, et dommage. Pigeon magique, et du coup le Lazarus a été nommé pigeon magique, comme on n'a pas pu prouver, comme l'indique le rituel, qu'il avait trichouze. Voilà, et du coup, l'autre gars est dead. Donc, il a pas bien fait marcher l'idole, hein, bien sûr. Alors, il y a plein de... Maintenant, on a plein de subtilités. On a des trucs sur comment fonctionne l'idole. On comprend pas tout. On a aussi... Alors, je vais juste retourner dans ce truc-là pour les masques, parce que j'imagine que ça sera encore important. Donc, le masque rouge, c'est la Prout Beast. Bonjour, biche. Coucou, biche. Nia. Prout Beast. Prout Beast. Le Water Snake, le serpent d'eau. Il est intriguant. Et le Dark Hand. Le Dark Hand, la main de l'ombre, bien sûr. La petite robe verte, c'est le Stewart. La petite robe rouge, c'est l'Initiate. Et le Master, c'est blanc. Et lui, c'est Lazarus. Et c'est lui qui s'est fait nommer un pigeon de. Pigeon renaissant. Voilà. C'est bon? C'est clair, YouTube? Tout va bien? Personne n'est perdu? Allez. Oh, je hurle et c'est trop fort. Il faut que je hurle moins. Ou que j'éloigne le micro. J'ai vu qu'on allait dans le rouge. Ça a dû être coup dur. oui, je suis surexcité. Alors, il y a quelqu'un qui est mort dans ce tableau. Quelle surprise! Je vais jamais m'en remettre. Allons dans le tableau 9. Comme on peut le voir, ça a l'air horrible. Ça a l'air horrible. Ah ouais, ça a l'air vraiment horrible. La vache, je comprends pourquoi on s'est arrêté. Bon, qui est mort? Monsieur est mort. Monsieur a des lunettes. Ah, s'est pris un truc dans la tête. C'est compliqué, il y a du sang, il y a l'idole. Enfin, dans son bâton, là, le bâton de l'idole. Il n'y a pas de masque, là. Il n'y a pas de masque, donc en vrai, ça se trouve, ils ok, quoi. Monsieur, j'ai des questions. This clue has been added to the... Oui, mais on s'en bat les couilles, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? The man is not breathing. On a the huge, vertical, wound on his forehead. Donc le gars s'est pris un truc dans la gueule, et il a une blessure verticale, genre comme cette lance, c'est pas exactement une lance, j'ai plus le nom de cet objet, voilà, par exemple. Mais ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être une épée, voilà, il s'est pris une blessure, enfin, il est tombé par accident sur quelque chose de pointu et vertical, de longiligne, là, de contondant, non, pas de contondant, justement, et il est rentré dans la tête la première dedans par accident, il s'est empalé. Ça, c'est une rapière, mais pas du tout, ça, le truc, là, qui tient. C'est pas une rapière, ça? Mais non, c'est pas une rapière, ça. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est pas une pique? Ah, je sais plus. Une hallebarde? Ils se disent une hallebarde? Je sais pas. Je vais regarder sur internet, c'est important pour moi. C'est important pour mon propre savoir personnel. Si je m'épique... Ah non, mais si je m'épique juste... bah apparemment, il y a un gars, c'est un sportif, il s'appelle Piqué. Arme. Attendez, là, j'ai une liste.
Ah, faut que je trouve la bonne. Celle qu'on voit, elle y est pas. Bah, c'est dommage. Mais moi, j'avais Hallebarde. Hallebarde. C'est pas une hallebarde. Ça doit être une pique. Écoutez, on va dire que c'est une pique. C'est... Non, ça ressemble pas à une hallebarde. Il est où le jeu? Comment je vais sur le jeu? Là, oui. Donc il a une blessure. Paf. Il est mort d'accident empalé sur un truc. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourquoi, à chaque fois, quelque part, à un moment donné de l'après-midi, j'entends un bruit au niveau de mon PC dont je ne trouve pas l'origine? Une fois par jour. Et ça me surprend et je suis en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de devenir paranoïaque sur ce bruit. Il doit y avoir un truc qui tourne pas rond dans mon PC. Littéralement. Littéralement, genre un machin qui est censé tourner et il doit être en mode une fois par jour. Peut-être même plusieurs fois par jour et pour moi dans ma tête c'est une fois par jour. Bref, faut que je me calme. Faut que je me calme, je vois que je suis trop tendu. Non, je suis pas tendu. Donc là on a une arme. A clean, a small sword. Donc alors l'arme sur lequel il s'est accidentellement empalé. Une disque dure carré par exemple. L'arme sur laquelle il s'est accidentellement empalé doit avoir des traces de sang vu que lui il s'est empalé dessus quoi. Il y a une petite note ici. Listen. Apologize for the shooting match yesterday. Let's continue your discussion at noon. Léo. Donc Léo lui a laissé un mot pour s'expliquer, pour s'excuser pour hier, pour un shooting match. Je ne sais pas en quoi ça consiste, mais c'est effrayant. Il a dit, on continue en discussion at noon, qui doit être, afternoon, cet après-midi quoi, ou ce soir, je sais plus. Afternoon. Ce midi. Noon, c'est midi. D'air friand au fromage et au jambon. The election are over. So let's upload tradition and have leisurely weekend at my place with you and Leopold to discuss the prime minister situation. Pigeons on May 12. Kinley confirme your presence, Dr. James Turner. Attends, James Turner, il était pas dans le panneau d'avant, James Turner? Sac à pipi? Je crois que James Turner, il était dans le tableau d'avant. Ça me dit fort quelque chose. Donc là, on a dit... okay, James Turner lui a envoyé une lettre qui lui a dit « Dear friends, les élections, c'est fini, on va discuter du Premier ministre, situation, rejoignez-vous nous le 12. » c'est bon. Alors par contre, moi, je suis désolé, mais James Turner, we see it, I am pretty sure. James Turner, c'est lui, là, le docteur, là. C'est lui, monsieur moustache, crâne chauve. Mais lui, par contre, le mort, il ressemble un petit peu à Alistair Knorr. Voilà, c'est mon avis. Il ressemble un peu à Alistair Knorr. Pas du tout, hein. Lui, il ressemble à Alistair Knorr. Vous êtes Alistair Knorr? This is outrageous! I truly were an honorable man! Leopold! C'est qui Leopold? Ah, mais Léo! Léo sur le truc, ça doit être Leopold! Leopold, not some Aquitanian agent trying to sabotage your friend relation with Lemuria and provoke conflict. Donc lui, il a la bague rouge, hein? On se souvient, la bague rouge. Clean small world. Mais qui est cet homme? Attends, mais lui. Der Friend, oui, James lui a dit. Mais Léo, ça doit être Leopold! Et là, il y a un truc, là. Il y a un truc, attention, c'est quoi? A button. Oh, button! Il avait un bouton caché, sans doute, pour ça, là, le... Ah, mais c'est un boomerang, c'est pas du tout l'idole dorée, c'est un boomerang. What the fuck? Mais attends, il s'est fait empaler accidentellement sur un boomerang? Mais je n'ose y croire! Il y a Anguille sous roche, je crois qu'on nous ment. Il faut vraiment que j'éloigne mon micro, j'ai l'impression que je suis peut-être un petit peu fort. Ou alors je peux baisser mon ging. Le ging. Bonjour, très cher. Oh God, believe me, my lord. I do not feel comfortable arresting a prime ministerial candidate, but I must ask you to follow me. Constable Noel, numéro 1, constable numéro 1, Arthur Faulkner. Donc lui, ça serait... Il a un panneau Arthur Faulkner et il doit arrêter le premier ministre candidat qui est accusé, donc sans doute Léopold, puisque machin l'accuse. Qui est accusé d'avoir envoyé un boomerang, quelle façon de tuer les gens, bizarre, dans la tête de monsieur. Hallebarde de Euclin, constable Spike, c'est une pike. Une pike clean. Ok, testimony. Oh le bordel. Oh non, j'ai peur. Oh là. Oh là. Oh là.
Oh, pourquoi j'ai cliqué sur ce personnage? Clem. Donc là, sur Léopold, sur ce très cher Léopold. Clem that. Add a glass of sherry with gems in the library and become drowsy. Donc, Léopold a dit à monsieur Arthur Faulkner qu'il avait eu un verre de truc alcoolique avec James, donc le docteur, pas moi, dans la librairie, avait devenu un peu drowsy, quoi, vous voyez quoi. Quand il est tombé assoupi, il a vu un lémurien l'observant à travers la vitre, bien sûr. il s'est réveillé et il a trouvé le majordome par terre, endormi. Il a réveillé le majordome, il est rentré dans le salon et il a trouvé le corps. Après inspection de l'arme, il a déduit que le lémurien était l'assassin. Ok, lui, pour l'instant, Lyra était le premier suspect, était la première suspecte, très bien. Il a dit au majordome de lancer l'alarme, bien sûr. Donc ça, c'est Léopold, d'accord, Gideon. Oula. Oh, Alistair Nork, d'accord. Gideon, Clamzat, il jouait du croquet with Ergin in the morning. Ce matin, donc Gideon il a dit qu'il jouait du croquet ce matin. Il s'est emmerdé et il a été boire un verre de thé dans la maison de thé. Le majordome, je suis au bar de Bzès, putain, c'est Lyra de ouf. Moi aussi, je verrais Lyra à travers la fenêtre. Alors, déjà, je me demanderais pourquoi elle est derrière une fenêtre fermée. Je pense que je m'inquiéterais un peu. Mais voilà quoi, je serais choc bar de ouf. Ergin drew his attention to the interesting design of the chaise house. Il a prêté son attention au design de trucs pour jouer aux échecs. Ou du truc pour manger du fromage, je sais pas. Normalement c'est échec, mais par amour du fromage, on va dire fromage. Il a vu Lord Alistair Knorr lire Lecture the Bolter. Non, je pense pas que c'est lecture. Avec lecture avec le majordome, lecture. Lecture à peu près sûr que ça fait pas de sens. Traduction. Trada. Lecture the butler. Butler. Ah, il a fait la leçon au majordome, d'accord. D'accord, j'avais pas cette lecture. J'ai pas fini de lire Gideon, par contre, calme-toi. Il a vu monsieur Turner, donc James Turner, come to the chess house, donc venir de la maison d'échecs. Et renvoyer le butler away, juste au moment où Werging a remarqué. La beauté de la chaise ouse, mais il était déjà en train de... Mais qu'est-ce qu'il dit, Ergin? Ergin, t'es celui qui a le moins d'arguments, là. Il est en mode... là, à ce moment-là, je faisais du golf. Ouais, je faisais du golf. Là, à ce moment-là, j'étais en train de boire du thé. Et j'admirais le jeu d'échecs. Il était très joli, le jeu d'échecs. Et après, bah, j'ai vu Alistair avec le majordome. Et après, et bah, il y a monsieur Turner qui est venu de la maison d'échecs. Et puis, bah, genre, j'étais encore en train de regarder. Putain, c'est beau la maison d'échecs, c'est beau. Il a vu Lord Alistair leave the chaise house on return shortly afterwards. Écoute, Gideon, t'es en train de nous. Oui, merci pour le P. Gideon, tu as les pires, la pire défense possible. Ta défense n'existe pas. La défense de Gideon. J'ai regardé ça, c'était joli. Et après, j'ai regardé ça, c'était joli. Et après, j'ai vu tel gars parler à tel gars et tel gars sortir et revenir. D'accord. Donc Ergin. Tant que Gideon, il parlait d'Ergin. Il a joué au croquet avec Ergin, il a dit. Ah non, mais c'est Ergin qui drouille, attention. Ah, c'est Ergin qui regardait le design de la chaise housse. La cheese housse. Ah oui, et Master Turner est allé dans la Chizouz et voilà, et Ergin il regardait la Chizouz en mode ouais, c'est joli. What the fuck, qu'est-ce que vous me dites? Ergin, qu'est-ce qu'il dit lui? C'est compliqué de comprendre ce qu'il dit parce que il a du mal avec notre langue. Il a claim that everything young Master Bills say is absolutely correct. Master Bill? Qui est Master Bill?
Ah, Billiam peut-être? Allô, Billiam? Alors, Gideon, il nous a donné un nom, attention, il a dit que Lord Alistair Kor. Voilà. Et Léopold, on a le nom de Léopold ou pas? Et il va falloir très vite avoir les noms des gens, hein. Là, je suis déjà perdu, là, ça fait 2 secondes et je suis déjà du père, hein. Ergin. Attends. C'est qui ce gars? Arthur Fackner, ok. Arthur Fackner. Arthur Fackner. Voilà, bien sûr. Arthur Fackner. Et Gideon, il nous a dit que Alistair. C'est Alistair Kor. Ah, mais on connaît Alistair Kor. Attends. Nous connaissons Alistair Kor. Nous le connaissons. Et oui, Alistair Kor, c'est cet homme. Bien sûr, donc on sait qui c'est. On sait qui c'est parce qu'il est giga reconnaissable. Ça, c'est Alistair Kor. Kor. Alistair? Alistair? Mais où ton prénom, Alistair, connard? Connard! Mais il est où? Le pédant plomb? Alistair, fais un effort. On n'a pas ton prénom? Pourquoi? Dans quel monde? Alistair Kor. Kor. Bah, si je vais sur Alistair, vas-y. Ah voilà, j'ai son prénom. Claimzat. Alistair, il a claim. In the morning, he practiced cheese as the cheese ooze and dedicated the butler on his lack of military training. Sometime in the afternoon, Dr. Turner arrived and sent the butler away. They played it together and he was very close to winning when the alarm was raised. Donc lui, il disait que quand l'alarme a été reset, il était en train de jouer avec Turner. Avec James Turner. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est Alistair, donc. Donc on a dit Alistair, Alistair, hein. Alistair. Donc Alistair Knorr, il dit qu'il était en train de jouer avec James Turner. Mais est-ce que c'est vrai? The butler away. The game was remarking the beauty. The chess house retourne sortie afterward. Turner, come to the chess house. Attends. Donc lui, effectivement, il engueulait le butler sur ses trucs militaires. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et ça, c'est qui? Ça, c'est. Attends, c'est qui dit ça? C'est Gideon. Il a vu Master Turner come to the chess house and send the butler away. Ouais, et Lord Alistair leave the chess house and retourne shortly afterward. Donc, Alistair, ce serait quand même. À un moment donné, aurait bifurqué la chess house l'espace d'un instant avant de revenir, quoi. James, qu'en est-il? Il drank a glass of sour cherry with Blanchard. In the library, in the morning. Donc Blanchard, Blanchard, Léopold. It's Léopold Blanchard, du coup, qui est en train de boire avec James. Et oui. Then he went to the chess house where he found Lord Alistair and the butler. Bien sûr. Donc James Turner, il a trouvé Alistair et le butler. Et Alistair qui était en train de s'engager dans une querelle avec le butler sur ses tactiques militaires. Pratique militaire, ou je sais pas, enfin son entraînement militaire. Et James, après, a fait une partie d'échecs avec Alistair. Il a ordonné au butler de nettoyer la librairie et de get rid of the bad sherry. Il a passé le reste du temps à jouer aux échecs avec Alistair jusqu'à que l'alarme sonne. NB, as the master of the house, he led the interrogation of the suspect. Ah! Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Donc ça c'était pour James, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il me disait? Mais attends, moi je voudrais voir Léopold. Léopold Blanchard, bien sûr. Falling asleep, so the Limorian. Ouais. Le butler était au sol, donc le butler est venu nettoyer. Peut-être que le butler, en voulant nettoyer, a voulu, comme il lui a dit, de nettoyer la cherry infecte. Il a voulu boire la cherry infecte et il est tombé dans le coma, dans le comato. Il a fait une siestas, comme Léopold. Léopold Blanchard. Ok. Podrick. Tiens. Dis quelque chose. Hein. Clemzat. Ah, Podrick. Donc Lyra a pris le beurre, les paf pastèques, le monsieur il fait dodo. Exactement, Lyra elle a dû lancer le boomerang. Boomerang caca de bœuf, exactement. Le beurre, le gros sels. Servait de l'or à Alistair in the chess house in the morning.
His master arrived and instructed him to dispose of the spoiled cherry. That he... Alors oui, donc Turner est arrivé. Alors lui, il était en train de, d'être dans la salle d'échecs avec Lord Alistair, hein, bien sûr. Lui, c'est le butler. Son maître, donc Turner, qui a mené les interrogatoires, hein, bien sûr, on le rappelle. Il est arrivé et instructed him to dispose of the spoiled cherry that he and Lord Leopold had drunk. And then go to assist Monsieur Spade in the garden. C'est pas qui c'est Monsieur Spade. And entering the library to take away the glass. Found Lord Leopold asleep. D'accord. Gentility was overcome by dizziness and fainted due to his weak head. Ah oui, d'accord. Lui, il a pas bu la chéri, mais il est juste tombé dans les pommes. Voilà, parce que voilà. Il s'est réveillé avec Léopold qui lui disait de... C'est pas la même version que Léopold, ça, par contre, excusez-moi. Léopold qui lui disait de lancer l'alerte. Et ils ont... Zen, il a vu le corps mort dans le salon. C'est pas tout à fait ce que disait Léopold. Hein. Ah oui, donc lui, il a vu le butler asleep. Il a réveillé le butler. Il est entré dans le salon et a trouvé le body. Après avoir inspecté l'arme... Il a déduit que c'était le Lémurien le tueur et il a dit au butler de lancer l'alarme. Ils n'ont pas la même version, le butler et le gars. Et Billiam, Planted, Augustus, Fountain, Hill. Clemzad. Planted and pruned all morning by the Chrysanthemum bush. So you young gentleman and the foreigner leave the croquette and go behind the manor. Ah! In the afternoon, moved to the rose bush from Zerso, Lord Augustus leave the fountain at around noon. Continued this work on the rose until the alarm was raised by Mr. Hill. The foreigner, c'est du coup Ergin, un truc comme ça là. Et le young gentleman, je sais pas. Donc lui, il était dans le jardin, il s'occupait des chrysanthèmes. Il a vu à un moment donné the young gentleman and the foreigner leave the croquette. Donc on a vu qui c'est qui joue aux croquettes, on va retourner voir ça tout à l'heure. C'est... Attends, on verra ça tout à l'heure. Et dans l'après-midi, il a été au Tuzuros Bush, from Zerso, Lord Augustus, pour quitter la fontaine autour de midi. Continue his work on the rose until the alarm was raised by Mr. Hill. Donc Mr. Hill aurait lancé l'alarme. Qui c'est qui disait qu'il était en train de jouer aux croquettes? C'était Ergin, avec qui il jouait aux croquettes? Non, c'est Gideon qui jouait avec Ergin aux croquettes. D'accord. Ok, donc dans tout ça, on a de quoi remettre les noms et prénoms de tout le monde, mais il faut la gueule des gens, quoi. Et or, niveau gueule des gens, on n'a pas tout, quoi. Mais sinon, voilà. Et Ergin a dit... Master Bell, so it's everything young. Young Master Bell, so is absolutely correct. Young Master Bell. Mais est-ce que c'est vraiment Billiam? Qui c'est qui prend pour Belle? Oh, c'est compliqué, hein. Bon, c'est très bien, gros. Maintenant, ouais, ça va être super. On va passer un super moment, ça va être incroyable. I hope the host did not notice me when he was learning over the sleeping eye-patch gentleman. The host, he was learning over the sleeping eye-patch gentleman, the sleeping eye-patch. Donc lui, c'est le gars qui s'est endormi, possiblement. Ok. Qu'est-ce que le fuck, gros? A bro stone slat seal. D'accord. What the fuck? Très bien. Dear Prince, I heard that you got invited to a party by the director of Seven Seas Company himself. I know you were associating with this invader and thief, but this might be just the opportunity that we seek to reclaim your honor. Ok. A species spinning ornamental box, d'accord. Dear Prince, as you know, I am a great aficionado of Lemurian culture. Lémurienne... Attends, mais ça se trouve, Lémurienne, c'est pas du tout l'animal depuis le début. It will be my pleasure to invite a member of the... Ptou clan to spend a leisurely weekend at my estate with some of your own political dignitaries. Can you confirm your presence, Dr. James Turner? Dear Prince, as you know, I am a great aficionado of Lémurienne culture. I will be my pleasure to invite a member of the Ptou clan to spend a leisurely... Donc c'est Dr. James Turner qui l'a invité...
à venir ce jour-là. Le Clean Lemurian War Club. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir ce que c'est cette histoire de Lemurian. Parce que du coup, c'est pas du tout un Lemurien. La Lémurie est un continent hypothétique situé dans l'océan Indien, parfois confondu avec le continent Mu situé dans le Pacifique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? C'est vraiment. Je sais pas trop, hein. Je suis pas hyper convaincu par, par cette information. Bref. Ah, mais toi, on te connaît. On connaît ta tête, c'est toi le docteur. Ah, Léopold, your plan to frame two is sublime. But your missing button is more than enough proof that you did it. Constable, please escort this man out. A clean doctor scalpel. A clean small sword. Alors toi, tu es le docteur James Turner. On te connaît. Tu es un petit bâtard. Là. Lui. Oh merde, on avait son nom à un moment donné. C'est Ergin. Mais Ergin quoi? Attends, c'est Ergin lui? Oh, je sais plus. C'est qui ce man? He stole his life just like that. The doctor is a smart man. Since he saw Trugis lies. Qu'est-ce que tu dis, toi? A clean small sword. Ergin chose, là, ouais. Dear friends, at one of the balls, Blue, you said that you would love to meet someone actually interesting. I am having a weekend of drink at my manor, and the prince from the 11th clan of Lemuria will be joining us. Please do use the honor of your company too. Can you confirm your presence, the Dr. James Turner? On n'a aucune idée de qui est cette personne. Mais il a l'air jeune par rapport aux autres. C'est peut-être lui le jeune. Are you the young man? Are you Léopold? Are you? Peut-être, maybe. Non. Attends, si, peut-être. Attends. Billiam. The foreigner leaves the croquette and go behind the manor. Young gentleman. Ah non, on sait pas qui c'est le young gentleman. Et ils ont été derrière le manoir quand même. Ils ont quitté le croquette. Le croquette, c'est Gideon qui a vu. Non, Gideon a joué au croquette avec Ergin. Ah. Gideon a joué au croquette avec Ergin. Gideon, Gideon, Gideon. Donc lui, c'est peut-être le young man. Qui s'appellerait du coup Gideon. Gigi. T'es où Gideon? Mais Gideon quoi? Qui êtes-vous? Attends. He stole his life just like that! Hein? Plan to frame tout, il sublime, but you're missing button. He's more than enough proof. Bref. Attends, est-ce qu'on a le nom de Gideon quelque part? Oh merde, ça va être trop chiant. J'aime les librairies de Beckham Drozzi, blablabla. Non, mais lui, il était pas dans le coup. Play croquette with Ergin in the morning, blablabla. Donc, Gideon y jouait avec blablabla, c'est super. Ergin, Master Bell. C'est peut-être Bell, Gideon. Lui, il a bu un verre avec Blanchard. C'est compliqué là. C'est compliqué là, ça commence à devenir dur. Ok, bon, écoutez, trop d'infos, tu l'info. Toi, j'imagine que tu es du coup Podrick.
Oh lord, I did not expect something like this in your rose world. A sleece et grassy garden shears. Ah, pas sûr que ce soit Podrick. This sack a mess, however we will clean the blood out of the rug. Oula, tes yeux, t'as consommé, toi. T'as consommé. Est-ce que Podrick, ça serait pas lui? Lui, c'est celui qui fait le jardin. Lui, c'est peut-être Podrick. Lui, c'est James Turner. Et lui. James, this is Preposterous. You know damn well that he was killed by that Lemurian savage. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il lui manque un bouton que l'autre a dans la main. Ok. A clean smell, mes couilles. Daffriens. No, that's the election are over. Please join me for les early weekend at my manor with good old Augustus and some other fine fellows. We will have some drinks and discuss what to do about the prime minister position. Can you confirm your presence, Dr. James Turner? Donc toi, tu es Léopold. Et Léopold, à un moment donné, on a su ton nom de famille. Parce que lui, il est en mode Léopold! Léopold! Donc ce gars, c'est Léopold. Alors c'est Léopold Blanchard, non? C'est ça, hein? N'est-il pas Léopold Blanchard? À de glace au chéri with James in the library and became drowsy. Bon, James qui derrière l'accuse d'avoir tué le man. Bon, quand même. Alors que clairement, il lui a bourré la gueule avec un truc pas très clair pour qu'il tombe dans les pommes. Voilà, hein, quand même. Hein. Et quelqu'un. This man has asked him to dispose of the spoiled cherry that Lord Leopold has drunk and then go to assist Mr. Spade in the garden. Ah, lui c'est Spade. Entering the library. Donc James est arrivé. Il lui a dit blablabla. Take away the glass from Lord Leopold asleep. Il est tombé dans les pommes. Ok, Billiam. On prenait la morning base de Chrysanthemum. So, the young gentleman. Ah, c'est Billiam Spade. The young gentleman. Donc l'autre là. And the foreigner leave the croquette and go be in the manor. In the afternoon, move to the rose bush from there. So, Lord August leave the fountain and at noon, his work on the rose into the lamb were raised by Mr. Hill. Quoi? Mais du coup, attends, lui, ça serait Billiam. You are Billiam, n'est-ce pas, hein? N'est-il pas? Billiam. Là. Toi, tu es Billiam. Toi, tu es Podrick. Peut-être, je me prompte, bien sûr. Je suis en train de me prompter, là. Monsieur Spade in the garden. Donc, lui, c'est Billiam Spade. Spade. Billiam Spade. Ah, mais attends, du coup, Ergin Tho, j'imagine. Le nom de Podrick. Podrick. In the shadows in the morning. Non, mais lui, il nous a dit que Spade. Billiam. Sous l'ordre de Gudur, il vous en a un arrow noon. Continuez de voir. Mr. Hill. Alistair. Ils ont un British cheese out on the case of the butler and his lack of military training. Something in the afternoon. Dr. Turner, tu me casses les couilles. James. Il drank a glass of sour sherry with Blanchard. Donc, c'est Léopold qui buvait de la sherry. Donc, c'est Léopold Blanchard. Blanchard. Léopold Blanchard, bien sûr. Ok. Léopold Blanchard. Gideon. Plate croquette with Ergin in the morning. Le boy en matin. Mr. Core, ouais. Ergin. Master Bell. James. Donc, a glass of sour sherry with Blanchard in the library in the morning. Non, je suis pas en train de mental breakdown. Putain, mais à un moment donné, on a vu le nom de l'autre. Lord Augustus. Monsieur Hill. Il nous reste Monsieur Hill et Augustus en vrai, hein, aussi. Hein. Monsieur Hill. Ah, mais ça doit être Podrick Hill. Gideon Bell. Mais est-ce qu'il nous reste que... Est-ce qu'il nous reste que Augustus pour ce man? The lamb was raised by Monsieur... Attends.
The afternoon moves to the rush bush from there, so Lord Augustus leaves the fountain at around noon. Donc lui, ça, le mort, ça doit être Augustus, mais Augustus, on sait pas quoi. On n'a pas d'autre nom. Lord Augustus. Ok. Ok, ok, ok. Il nous manque un nom, du coup. J'ai interrogé tout ce beau monde, j'ai tout... Oh, il est pas content parce qu'il va devoir laver le tapis. Voilà, lui, il accuse... Il accuse Léopold Blanchard, qu'il a drogué pour lui enlever son bouton et le mettre dans la main du man. Lui, il est raciste et du coup, il l'accuse lui. Lui, il espère que James ne l'a pas remarqué quand il... When he was leaning over the sleeping iPad gentleman. Sleeping iPad gentleman. He was leaning over. Je comprends pas la phrase, mais qu'il l'a pas remarqué quoi. Lui qui est en train de faire du croquette avec lui. Non, là c'est l'invitation. Lui il avait une lettre. Sortie by the director of 70 Company itself. Ouais, il avait une lettre un peu tendancieuse quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est l'invitation. Je suis pas confus. Ok. Je suis complètement confus là. Je commence à être très confus. Et lui, il va arrêter. Il va pour arrêter Léopold, du coup. Qui est ministre. Qui est candidat pour le poste de Premier ministre. C'est fou, on dirait que James Horner a tout orchestré. Et Léopold lui a dit qu'ils auraient une discussion à midi. Ok, Léopold qui est cette personne. C'est ça, hein? Non, ça c'est Gideon. Je vais me faire foutre. Léopold Blanchard, bien sûr, lui. D'accord. Dis donc! Bon, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh la vache. La vache. Oh la vache! Oh la vache! je veux rien savoir. Je veux plus jamais rouvrir ça. Merci, Seira. Qu'est-ce que c'est que ça? The Seal of the Twelve Lemurian Clones. Seals? Les insignes? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Douze. D'accord. Eh ben d'accord. Et ça, c'est quoi? Psychoactif plante. Oh bah là, dis donc. Oh bah dis donc, c'est marrant ça. Drugged symptom. Spotty onion. An illusion of unity with the universe. Increased appetite. Ipcus. Black poppy. Sleepiness. White of eyes get a pink tint. Oui, donc lui, il est tombé dans les pommes, hein, il est giga tombé dans les pommes à cause de son cœur. Non, non, il a pris une petite rasade du chéri et il a dit oh, bah, vous savez, je suis malade du cœur et du coup, je suis tombé dans les pommes, quoi, voilà. Alors qu'il a pris du cherry empoisonnade par le Black Poppy. Lemurian Nation, hyper concentration on one thing, loss of perception of time, rapid blinking. Red Berry, surge of energy, vocalisation of all your trug, twitching, aggression. Ok. Ah, bah, pink tint, hein, gros, hein. Full of pink tint, je suis désolé, hein. Il y a un peu pink tint lui aussi, mais on peut pas trop voir sa tête. Mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, et ben on peut passer aux autres pièces, du coup. Qu'est-ce qu'on a là? On a le sherry. A fallen bottle of sherry, bien sûr. Ça. A full glass of sherry. Donc, James Turner n'a pas bu de sherry. An almost empty glass of sherry. Donc, ça, c'est le verre que Léopold a bu
et coma. La fenêtre. Ah! Non, reviens! Non, je veux revenir dedans. Non, non, non. Non, non, c'était bien dedans. La porte. Ah! Ok, 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 ok. Je... Rose bûche. Quelqu'un était au rose bûche. Donc, attends. Ça donne sur la bibliothèque. Ok. Une fichette croquette match en Grassfield. Chrysanthème bush. Qui était au chrysanthème bush? Là, il y a les rose bush. Là, il y a la fontaine. Il y a un... London Gazette. New Order Party. Who will be the new Prime Minister? Election result. New Order Party, moderate, loyaliste. Donc là, c'est le New Order Party qui a gagné. Enfin, qui a la majorité des votes. New Party Order, moderate, c'est le gars qui est mort, du coup. Loyaliste, c'est le gars avec le truc sur l'œil. Le bandeau sur l'œil. Et New Party Order, ok. J'ai plus son nom, mais on pourra le retrouver facilement. The New Order Party have the most MPs, but it is clear the two old party will form a coalition. This means either loyalist leader, Blanchard, or moderate leader, Valentine. Donc attends, le loyaliste Blanchard, donc lui c'est Léopold. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Blanchard. Léopold Blanchard. Léopold Blanchard, le loyaliste. Attends, c'est ça? Oui? D'accord. Et moderate leader, Valentine, will become the prime minister. Ok. Donc lui, c'est Valentine, Augustus Valentines, qui s'est fait assassiner par James Turner. Pourquoi? Ça sera assez facile à faire en vrai. Mais c'est qui le prince? Je comprends rien. The Doctor. The Victim. Ah, alors attends. Augustus, lui, la victime. Augustus Valentine is the victim. The Boomerang is the murder weapon. The Saloon. The Saloon? The Saloon. The Saloon. The saloon is where he was murdered. Body was found by... Léopold, je crois. Si je suis pas complètement à l'ouest. Ok, donc on doit pouvoir trouver ces informations-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici qu'on n'a pas vu encore? On n'a pas vu le cheese? Ok, 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 ok. Et là, la maison de thé. Took of a species smelling tea. One almost until the other untouched. Oh, oh, ça aussi, ça a été. Il y avait de la gaudreau. Donc, spicy smelling tea, one almost until the other untouched. Donc, il y a des gens qui ont bu du thé ensemble. Il y en a un qui n'a pas touché à son thé parce qu'il avait drogué l'autre, donc c'est normal. Il n'est pas touché vu qu'il le savait. Et l'autre qui avait commencé à le boire. Et c'est spicy smelling tea. Spicy smelling tea. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, d'accord. Spicy. Ça m'aide pas. Attends. Ça sent fort. C'est toute l'information qu'on a. Qui était là? Qui a bu ici? Qui a bu dans la maison de thé? Donc lui, c'est qui? Attends, c'est Gideon. Gideon, il jouait du croquet avec Ergin. Il a trouvé ça ennuyeux. Il a été à la maison de thé. Et Ergin lui a montré le design de la chaise house. Il a vu Lord Alistair engueuler le butler. Et Master Turner come to the chaise house and send the butler away just as Ergin was remarking on the body of the chaise house.
Leave the chassis and return shortly afterwards. Ça m'aide pas, hein. En tout cas, c'est lui qui aurait bu peut-être du thé. En tout cas, il a bu le thé avec, avec lui. C'est ça, hein, lui, c'est Gideon. Hein. J'ai l'impression de me perdre un petit, tout petit peu. Un tout petit peu. Qui a bu de la thé. Putain, mais qu'est-ce qu'il a bu ? Blinking. C'est vrai qu'il rapide blink beaucoup lui hein, par contre hein. Le design dans une pièce super, super chargée aide pas. Ah oui non mais bien sûr mais c'est normal hein, c'est fait exprès pour que ça soit difficile hein. Donc lui, il a bu du Lemurian Lichen. Très bien. Donc sans doute donné par lui. Ok. Ah, species mailing en mental box. Ok, d'accord, d'accord, ok, ok. Ok, donc c'est lui qui avait la species en mental box. Alors, et ça fait quoi déjà ça? Hyper concentration on wanting, love of perception of time, rapid blanking. Ah, donc lui, il dit peut-être n'importe quoi. Parce qu'il a perdu la perception du temps. Et lui, il dit que tout ce qu'il dit est absolument correct. C'est super. Ok, donc attends. Il faut qu'on situe qui est où. The Gardener. The Gardener, où étiez-vous? Planning a prunade all morning by the Chrysanthemum Bush. So the young gentleman and the foreigner leave the croquette and go behind the manor. In the afternoon, move to the rose bush from Zerso, Lord Augustus leaves the fountain on, at around noon. On his board, on the rose, until the alarm was raised. Donc lui, il était au rose bush. Le man. Rose, rose, rose. Bah, flower bed, d'accord. Il était à flower bed. Le butler. Le butler, donc Podrick. Qu'est-ce qu'il faisait, Podrick? Podrick. Bah lui il était dans les pop-hommes. Dans les pop-hommes, donc soit il est dans la librairie. Attends. When the body was found, soit il est dans la librairie. There is the library to take away the glass, found Lord Leopold asleep. Suddenly was overcome by Disney. Suddenly picolé de la boisson Gaudreau et tombé dans les pommes. Réveillé par Lord Leopold, instructé to raise the alarm, then saw the deceased lying in the salon. Ok. Il a pas exactement la même version que Leopold, on est d'accord. Hein. Donc lui, il était dans la librairie, techniquement. The Doctor. The Doctor. Oula, c'est qui déjà, The Doctor? The Young Man. The Young Man, il buvait du thé, non? The Young Man. Mais c'est qui le prince? Merde, je sais plus qui c'est. The Général? The Loyaliste? The Docteur? Secours. Attends. The Young Man? Attends, attends, attends. Non, si, si. Gideon. Gideon, tu étais où? Il a perdu la notion du temps, lui. Lui, il était dans la de truc de... De là? De là, de du thé? Mais il y a quelqu'un qui a dit... ouais, attends, il a dit le Young Man? Il faisait des trucs là. Ah oui, c'est donc Billiam qui disait qu'il a vu The Young Man and the Foreigner leave the croquette and go behind the manor. Hein? C'est pas la même explication. Mais ok. Ok, 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 ok. Pas tout à fait les mêmes propos. Ouais, 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 hein. Ok, faut que je retourne pour The Loyalist, faut que je retourne voir à l'extérieur le journal.
qui le loyaliste? C'est le gars. C'est Léopold. Bah, c'est lui qui a trouvé le corps, techniquement, donc il était dans le salon. The loyaliste. Il est où le salon? Là. Loyaliste dans le salon. Le docteur, du coup, c'est qui déjà? Ce général. The Prince. The Prince, ça doit être Ergin, du coup, ça doit être un prince. Est-ce que je comprends R? Sans doute. The Docteur, c'est... Je sais plus qui c'est, le Docteur... J'en peux plus... Hein. Je sais plus... Attends. Attends. J'ai une façon facile de savoir. Le Docteur, je crois que c'est James Turner, hein. C'est ça, hein. Docteur James Turner, oui. Le docteur, c'est James Turner. Le docteur, il était où, James Turner? Mais James Turner, il nous dit des salades! Il nous raconte des salades, là! What the fuck, bro? D'ailleurs, c'est lui, James Turner, c'est ça, hein? Et qui veut accuser lui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, James Turner? Qui buvait dans la librairie, il a été à la Jesus, where he found Lord Alistair and the butler. Or the rest of the butler to clean up the library and get rid of the bad sherry. Spend the rest of the time playing with cheese with Alistair. Intent the alarm was raised. Donc lui, il est en train de se donner une petite... voilà. Petit alibi. Donc lui, il était à la Jesus. Il y a quelqu'un qui était à la fontaine, mais je sais plus qui. Qui a été à la fontaine? Il a vu Augustus leave the fountain at around noon. Mais Augustus, il est mort. Dommage. Donc on s'en fout de la fountain. Il nous manque quoi déjà, King? The general and the prince. Mais c'est qui le général? C'est qui le général et le prince? Mais je comprends plus rien, moi. C'est qui, quoi? James Turner, c'est le docteur, d'accord? James Turner, c'est le docteur. Lui, c'est le jardinier. Lui, c'est le gars qui est venu enquêter. Lui, c'est le gars qui est mort, qui était le moderate. Lui, c'est le loyaliste. Lui, c'est le majordome. Lui, c'est le chef de maison, c'est le docteur. Donc il reste Alistair Knorr. Alistair, ça serait le général? Donc il dit qu'il était à la chaise housse, lui. Il nous dit quoi, lui? Ah mais mon cerveau aussi, il est en full prout, hein. J'ai rien d'autre à dire, hein. I am full on prouting, là, hein. Du coup, The Prince, donc on va imaginer que c'est Ergin, du coup, qui est un prince. Était soit au field, soit à la fontaine. Quelqu'un a dit avoir vu des gens aller à la fontaine. The young gentleman of the funnel leaves the croquette and go behind the manor. Lui, il est au truc de chrysanthème. Il les a vus aller derrière le manoir. Il a bougé vers les rosebush. From the soul Lord Augustus leave the fountain at around noon. Derrière le manoir. Il était là, il les a vus aller derrière le manoir. Donc elle a dit où ça fait sens. Je pense que c'est lui qui est perdu dans le temps. Non, mais il est pas à la fontaine, lui, hein. Est-ce qu'il était à la cheese house? Non. Ah,
Mais en même temps, il y a des gens qui mentent aussi, c'est ça le problème. Non, c'était Tius, Patches, Ous. Tius. Voilà. Ok. Chaque suspect, quand le body a été trouvé, le gardener était au buisson de Rose, le butler était à la librairie, le docteur était à la Cheese House avec le général, donc le général étant Alistair, le docteur étant James Turner qui a fait les interrogatoires et qui a drogué Léopold pour pouvoir l'accuser en enlevant son bouton et en le mettant dans la veste, dans la main d'Augustus. Le loyaliste, c'est lui. Attends, Salon ? Quoi ? Ce général, attends. The Young Man, c'est lui. Il était à Tius avec le prince. Lui, il était avec lui. Et The Loyalist dans le salon. Ah non, le Loyalist, c'est Podri... Non, c'est Léopold qui a trouvé, du coup, le man. Lui, mort. Mort. Ok. Ça va être très compliqué de remplir ça, hein. Parce que là, ouais, hein. Alors attends. Léopold, il a dit un truc. Il a dit. Il a dit qu'il avait le gars. Il avait vu le gars à travers The Glass Door. Donc à travers là, il aurait vu le man. Ce qui est possible. Ah, il l'aurait vu sur le terrain de croquet quand il jouait aux croquettes. Du coup. Mais en fait, on sait à peu près ce qui s'est passé globalement. C'est juste qu'il y a tellement de trous dans le texte qu'on sait même pas, on sait même pas quoi faire. Early in the morning. Drugged. Disons, Ellen in the Morning, James Turner, comme dans Pirates des Caraïbes, bien sûr. Drugged, Podrick Hill, non pas Podrick Hill, Léopold Blanchard, in the library, and Stall, a button. Meanwhile, in the... Field. Lemurian. Non, c'est pas. Adarun Noon. Comment tu veux? On comprend rien. Attends, Early in the morning, pendant ce temps-là, donc très tôt dans le matin. Très tôt dans le matin. Qui faisait quoi très tôt dans le matin? Très tôt le matin. Donc lui, non mais lui, il buvait du thé avec James, il se faisait droguer, pas du thé, du cherry. Pierre Croquette, we were in the morning. Donc il y avait lui et lui qui jouaient au croquet le matin. Thinking. In the field. On n'a pas de playing. Parce que Gideon Bell. Fram provoque. Burian Club. Eringto. Euh...
From the. Attends, je. Non mais tout va bien. Ouais. From the seal. C'est, il est où le seal? J'ai perdu. Il est perdu. Ça y est, c'est perdu. J'ai perdu le seal. Non, je l'ai perdu. Là. From the saloon, du coup. In the field, Gideon Bell. Ah, attends. Ergin to. Drugged, encore. Gideon Bell, and. Stoll. Lemurian Club from the saloon. In the. Point. C'est plus un texte à trous, ça, c'est un texte composé. Non, mais y a plus rien, quoi. Genre, c'est vraiment un. Donc lui, il l'a drogué pour aller voler. C'est pas un club qu'il a été volé. C'est quoi exactement qu'il a été volé? Tu veux les Murian Clones? The Seals? The Seals? Ah, mais c'est le Seals! Attends. The Bronstone Slight Seals. C'est le Seals. Ça, le Limerian Seals. From the Saloon. In the. Atarun the Noon. Faites une dissertation pour expliquer le meurtre, bisous. Non mais c'est ça quoi, genre... in the... J'irai librairie. Ah, attends. Autour de midi, qui faisait quoi autour de midi? Non mais c'est impossible. Regarde, in the, on sait pas, Atarun Noon, on sait pas. And, on sait pas, the, on sait pas, and him too, on sait pas. Vache. Autour de midi, qui faisait quoi autour de midi déjà? Et vas-y, va falloir que je relise tout le monde. Léopold, c'est qui déjà? Léopold, il dormait. Il dormait dans la librairie. In the morning, they go so the butler, so Master Turner comes and sends the butler away just again. The Noon, on veut savoir The Noon. Attends, woke up. Found the butler, non, on s'en fout. The Noon. Gideon. Oui, on s'en fout. Ergin. James. The library in the morning, then they went to the chest of the food, blablabla. Alistair. The morning, the British chess in the chess and educate the butler on his lack of military training. In the afternoon, Dr. Turn and arrive and send the butler away? In the afternoon? In the afternoon? In the chess in the morning. His master arrived and instructed him to dispose on the spoiled sherry that he drank and we assist to suspend the garden. Take away the glass from Lord Leopold Asip, suddenly we try to raise the alarm. Billiam. Contain a prudent and warning by the. So the final leaves of croquette and go in my hair. In the afternoon, moved to the rosebush from there. So Lord Augustus leaves the fountain at Arun Lone. Ah! Augustus! Attends. Augustus. In the fountain. Tarundun. Augustus. Je sais plus là. Hein. Non. Bon, en tout cas, quelqu'un qui l'est. Augustus, ça c'est sûr. Ça, on en a la certitude. And. In the saloon at Arun Noon. James Turner, du coup. Qui l'aide? Augustus Valentines and. P-
planted the boomerang on him too. Pour moi, il veut faire accuser Léopold Blanchard. Attends. Attends. Ah, ou c'est... Pourquoi il a aussi les yeux rouges, lui? Pourquoi il a abusé de la gueudreau aussi? Hein? Ah mais oui, non, mais c'est lui qui est tombé endormi, oui, c'est vrai. Ah, mais lui, il l'accuse, c'est lui qui l'a drogué, il le sait très bien que c'est pas lui, du coup. Boomerang. Attends, c'est quoi l'histoire du club, déjà? On s'en fout, hein. The Salon and Noon, James Turner, qui l'aide Augustus Valentine, and... And... The Name Two... Provoque? Parce que moi, j'aurais dit accuse, mais... Bon, écoutez. Qui l'aide Après, c'est tellement compliqué à comprendre. Te provoque. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, at noon, Léopold voulait discuter avec lui at noon. Léopold, c'est lui Léopold. Ah, il voulait discuter. Mais il était en plein commun, Léopold. Mais si James Turner a tiré sa... Son truc là. Son bouton pour le mettre dans la main de l'autre pour le faire accuser de façon pas du tout discrète. J'ai envie de crever là. Petite envie de crever. Je comprends rien. Mais The Button, il est où le Button? Ah oui, Anne. Il me faudrait du bleu. Je vois pas frame, planted. Ça veut dire quoi frame dans ce contexte là? Ça peut donner un tout. Parce que moi ça serait pour l'accuser. Il a un bouton. Un bouton. Oui. Il a volé le bouton pendant qu'il a. Fait tomber Léopold dans les pommes avec la gueudreau. Il a volé le bouton. Le bouton. Et il l'a mis dans la main de Blanchard. C'est évident. Mais c'est les mots. En fait, c'est les mots. Je sais pas quel mot utiliser. Cadre, trame. Ouais, genre... il a fait un plan... ouais. Et planted?
qui l'aide. Bon, pour moi, c'est toujours James Turner. Qui l'aide. Augustus Valentine. J'ai une autre théorie, peut-être. Et pourquoi Alistair Knorr ferait ça? Enfin, pourquoi James l'aurait accusé si c'est Alistair qui l'avait tué? Ouais, non, mais je comprends. Toujours in the salon, hein. James Turner killed Augustus Valentine and... Tout. Frame Leopold and planted. Est-ce que tu peux aller voir la soluce pour me donner des indices, s'il te plaît? Je sais plus, peut-être 9. Attends. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 9, 9. Salon intervenant. Voir si je suis vraiment à côté, totalement à côté de la plaque, tu vois. Je vais juste tester un truc, je vais juste tester avec Alistair. Ah! Étrange. Ah, attends. Donc j'étais pas complètement en train de péter un plomb. Attends, c'était quoi qu'il y avait avant? Le pote Blanchard. Je suis un planté de button à him, to frame, Leopold. Ah ouais, mais du coup... Ah! Ok! Attends. Il se passe peut-être des trucs. Non, je sais pas. Hein. Non, c'était mieux avant. Et pourquoi James aurait tué et aurait volé le bouton? Ça serait Alistair? Mais c'est pas Alistair qui buvait avec avec Leopold. Mais en tout cas, il y a Alistair Cor dans l'histoire. Tu vois? Donne-moi des indices ou je sais pas, guide-moi sans tout me dire. Sachant que ça a mieux marché quand j'ai mis Alistair Cor ici. Je vais remettre Léopold Blanchard d'ailleurs, c'est là où ça a marché le mieux. Là c'est là où ça marche le mieux. Donc il y a un ou deux slots qui ne sont pas bons. Mais c'est pas possible que Alistair ait tué Augustus Valentine. T'as un nom qui plante dans le second paragraphe, là. Un nom de personne? Je comprends pas. Il y a une personne qui n'est pas la bonne. Ah, j'avoue, j'ai pas là. T'as un objet pas bon dans le dernier paragraphe. Attends, mais oui, non, mais ça c'est... Ok, Button. C'est bien Button dans le dernier paragraphe, hein.
Ouais, c'est d'accord qu'il a l'illusion en plantant le buton anonyme, tout frame, le Paul Blanchard. Mais du coup, pourquoi James aurait volé le buton? Il aurait filé à Alistair? Et vas-y, je comprends pas là. Hein. Je suis perdu. Et je donne-moi un autre indice parce que là j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donne un indice s'il te plaît parce que j'ai envie de crever, j'y arrive pas. Un lieu qui est pas bon. Ah. Merci. C'est bon. Bon, oui, mais je me disais bien que le field il était. C'était bizarre. Ok. Brotherhood member, Alistair and James plotted to turn the ruling moderate and loyalist party against each other. Over the course of a weekend at James Manor, Alistair murdered the moderate leader and James framed the loyalist leader. Ok. Alors attends la vache, attends. Donc, James Horner, il a drogué Léopold dans la librairie et a volé son bouton. Pendant ce temps-là, dans la maison de thé, Agintou a drogué Gideon et a volé le bâton. Non, l'insigne. Enfin, je sais pas comment ça sera. Ouais, ça doit être un signe. Du salon. Et dans le salon, autour de midi, Alistair a tué Augustus et planté caché le bouton sur lui pour monter une machination contre Léopold. Donc, ils auraient conspiré, James et Alistair auraient conspiré pour faire accuser Léopold Blanchard, qui était le leader. Leader, du coup, de ta mère. Léopold Blanchard, il était le leader des loyalistes. Alors que lui, c'était le leader des moderates. Du coup, pour gagner son érection, bien sûr. Voilà. Allez, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que l'idole a à voir là-dedans? You have proven that I can trust you. Ok. Here is the Brotherhood artifact that I removed from the traitor Kni. Let me educate you how it works. Ah oui, donc c'est lui qui les avait. C'est Lazarus qui les avait envoyés tuer le moderate. Et qui va leur apprendre comment l'idole marche. He set it to take it from his cup of water. It's set. Il l'a programmé pour prendre la chaleur. To take it from this cup. Prendre la chaleur de cette coupe d'eau. Et il change the symbol and use the easel to give that it to something else. Donc un truc là, machin. Une allumette. But it is much more that the idol can do. Yeah, mais il aurait dit, enfin, c'est juste une démonstration, mais l'idol peut faire tellement plus. C'était horrible. Cauchemardesque. Oh mon petit chat, attendez, je vais voir mon petit chat qui a très chaud, je reviens. C'était un peu compliqué, ouais un peu hein. Un peu. Ça va bien, oula. Quelle est cette tête de petit chat les oreilles en arrière. Ça va mon cœur. Ouais, c'est bon. T'as mangé un peu? T'as bu? Attendez, je regarde si elle a mangé, si elle a bu. Ah oui, elle a mangé hein. Elle a bien mangé. Est-ce que tu veux boire un peu d'eau? Ok. Bois un peu d'eau. Bah si si c'est bien l'eau. Je te jure. Je te jure que c'est. Bah, c'est bien l'eau. N'aime pas un peu d'eau sur. Un peu d'eau sur le pelage. Je mets de l'eau sur le pelage, du coup comme elle ne faut pas prendre. C'est bien de boire de l'eau, tu veux pas boire de l'eau? Ça rafraîchit. Elle est abattue par la chaleur en plus. Ah, j'ai tombé dans une jambe, à tout moment je hurle parce que je me suis cassé la gueule. Ah bah alors, on est intéressé par l'eau maintenant. Hein. On a envie de picole, hein. On a chaud, hein. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu préfères que je remette la chaise ici? Qu'est-ce que tu veux, mon bébé? Ça va?
Excusez-moi, je m'occupais du chaton. Qui a très très chaud. Comme nous tous. Mais qui est un peu conne et qui, à mon goût, ne boit pas assez. Je regarde les trucs d'après, cauchemar. Ah bah je nous nous doutâmes, hein. Nous nous doutâmes que cauchemar. En tout cas, ça a l'air d'être la fin du jeu Soon, hein. Ce New Order. Mais là, c'est vrai que je suis un petit peu dans un moment de cauchemar, quoi. Un petit peu envie de décéder, quoi. Un petit air de mourir, quoi. Non mais est-ce que vraiment... Parce que, en fait là, ce qui va se passer, c'est soit j'arrive à finir le 10 avant la fin du stream. Enfin, avant de give up, quoi. Enfin, soit je give up pas. Et du coup, ça nous laisse un chapitre à faire. Ce qui est ok, vu comment c'est compliqué. Soit on se dit, et vas-y, c'est trop. Mais du coup, ça nous laissera la prochaine fois le 10 et le 11. Non, je pense qu'il vaut mieux. Attendez. Je prends en compte différentes informations. Attendez, je vais juste dire un truc à quelqu'un. Qui posait une question à laquelle j'ai les réponses, enfin auxquelles j'ai les réponses, mais le 10 ça a l'air d'être sale vibe, mais le 11 aïe. Mais moi je pense on fait le 10 et le 11 on le fait dans un prochain stream. Mais attends, il y a juste un truc que je voudrais voir, donc attends, James et donc c'est Lazarus avec qui avait orchestré ça avec James, il a envoyé James et c'est qui l'autre, Alistair, faire un prank pour tuer l'autre man. Mais c'est ça, hein? Taking. C'est Alistair et James Turner. Qui étaient déjà... Ils sont membres de la secte, hein, bien sûr. Hein, ils sont là, hein? Ils sont là, ils sont là, hein? Ils sont heureux, hein? Je sens que les proutes, tu es heureuse aussi. Tu es dans le bonheur et la joie. Mais est-ce que tu seras toujours dans le bonheur et la joie au chapitre 10? The New Order. The Triumph of Order. Calme-toi, je t'en supplie. Calme-toi. Tu dépenses tous tes points, même si tu peux te les regive en vrai, mais jamais tu nous ferais ça, voyons. Ou change de prout au moins, fais d'autres proutes, il y en a d'autres. Ou d'autres sons. Pitié. Ah, vous avez pas la cam, donc vous pouvez pas savoir, mais je me frotte les yeux évidemment parce que sinon on est perdu. Si je me frotte pas les yeux au moins 10 fois par stream, c'est la fin du monde. Ah, je suis au top de ma forme là. Really topping of the form. J'en ai 15K, jamais j'oserais me regiver des points. Jamais! On vous a dit que vous étiez une des personnes les plus fatigantes. Tout le temps! incroyable. Bon, qu'est-ce que... quoi? Il y a un gars mort. On va commencer par le gars mort. Il est dans un état proche de l'Ohio. J'en peux plus. Il y a un man mort. Il est chauve. Info. The man is not breathing. No apparent wound. Bon, il a dû boire du poison. Il est chauve et très très maigre. What the fuck? Prince of Dusk. Dusk? Qu'est-ce que c'est Dusk? Like night, I am dark and full of terror. I do not fear love. Do not make that terror. When you know my name, just look for my face.
Attends. C'est un rébus. Enfin, non, pas un rébus, c'est une énigme. Like Night, I am dark and full of terror. I do not fear love. Do not mark that error. When you know my name, just look for my face. C'est un. Vous savez, faut. Enfin, c'est pas un rébus, c'est un. C'est des énigmes du père Fouras, là. Je sens le piment, là. Bref. Alors. Par contre, pourquoi vous avez tous des brassards de gros nazis, là? Secours, hein. Poor bugger. Poor bugger. I have never seen so much merit removed in the tribunal. Some mistake is very costly. Qu'est-ce qu'il dit? Un Albion franc banknote. Oula. On connaît sa tête à lui. On connaît ce man. Citizen. Ah, mais c'est David Goran, bien sûr! Je me disais bien qu'on se souvenait de sa gueule. On connaissait sa gueule. David Goran. Ah oui, c'est son passeport de la terre d'Albion, apparemment. Birthday. Birthière, 1752. Occupation. Enforcer of the Order Party. History of Affraction and Obedience. Add a secret compartment in this office locker. Denying the existence of the secret compartment. Loyal service is low ranking position to the order party. Plus 10 mérite. Total mérite, plus 8. Ah oui, d'accord. Oula, les. Oula, la dictature là. Oula. Oula. What the fuck. Ça a l'air. Oh, ça a l'air coup dur. Donc lui, c'est David Goran. Là, il m'en a pas le. Oui, bien. Plus jamais je veux rouvrir ça. Plus jamais. Donc David Goran, il a rendu un jugement. Pour bugger. Ça veut dire quoi, bugger, déjà, s'il vous plaît? Remember the treat virtue. Hein? Alors. Le dessin m'inspire peu de choses. Enfin, m'indique peu de choses. Remember the seconde virtue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc on a des nazis. Il tue des gens. Et qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Lui, ce man, on le connaît aussi. It's a thing of beauty to see order prevail. It is where no, not against the first virtus, it will feel very happy. It's a thing of beauty to see order prevail. If it were not against the first virtue, it would feel very happy. Qu'est-ce qu'il dit, Nicolas? I will wager you feel the new regime reward your diligence? No. So tell me why. Tell me why! Pardon. I saw you spend more than 3 shillings on new clothes after I asked you to lend me money and you said you had no one to spare. I suggest you lend me some no, unless you want to me to write up an official report about a Furth Virtue Breach. Beloved Brother, Furth Virtue Breach. Furth 4ème. 4ème, l'honnêteté. La vertu de l'honnêteté, c'est la 4ème. Ok. Nicolas Maker, on connaît ce gars aussi, on connaît sa tête. Occupation, record keeper of the order party. History of fraction obedience. La blood protocol has been on Thursday, even though it was Wednesday. Hein? Took a double lunch break in the office. What the fuck? Loyal service in low ranking position to the order party. Plus 10. Total mérite, plus 4. Alors attends. Troisième vertu, seconde vertu. Et c'est qui lui a envoyé non, pas ça. Ah si, c'est leur passeport et tout. Et s'ils sont négatifs, ils sont jugés et peut-être tués. Ouais, au secours, hein. Ah, le frère de Nicolas. Son frère? Ah mais non, mais c'est peut-être frère frère de secte fasciste, quoi. I felt it in my bones that I should have drunk less. Je sens que j'aurais dû moins boire. Maintenant, ma pauvre âme expérimente the god's wars. Écoutez, je ne sais pas. This tribunal is a farce. They spread. Ils répondent des mensonges. That my pure love is merely lust. And what do they even know about true art? Qu'est-ce que c'est que ça?
Such a relief that they decided to not to push any fashion charge. I hope the process is not painful. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Excusez-moi. Je... C'est qui lui? That is music to my ears, Alistair. But to control your emotion, we are arbiter of order must never violate the first virtue. Qu'est-ce que... A bunch of Albion Frank banknote. Ça c'est... Ah c'est Turner. Ah il a les cheveux qu'on poussait depuis. Hein. Arbiter of the order partir. History of infraction en obédience. Drunk a full bottle of brandy at a picnic. Kept the book Legacy of the Rose Dynasty in his study. Bah, tout est allé de façon très très vite, de façon giga brosson là, genre c'est en fait c'est une secte secrète qui a pris le pouvoir, du coup de ce que je comprends dans l'histoire en Angleterre, et qui a instauré un ordre fasciste. Voilà, service to the order, party in high ranking position plus 20 mérite. Dear Dr. Turner, I must regretful inform you that during your absence from party business, your senior assistant Daniel has demonstrated extreme utidiness and thus breach of one of the virtues. Junior assistant Toby. Why, what are you insinuating, James? I will never breach a food virtue. You know damn well that I keep no secret. Ah. Uh-huh. Ce jeu vidéo est politique, tu crois? Dear Arbiter Corps, I am waiting to inform you that your regiment's colonel was seen with another officer wife in a potentially intimate situation. We implore you to send your agent to investigate this potentially fluting of the first value. Ok, first value, du coup, c'est la fidélité, j'imagine, un truc comme ça. Slapper a sergeant in anger to marching music in this manor. Royal service to the order party, high ranking position. Ok. Tout n'est pas clair. Une fenêtre ici. Ah non, c'est pour redescendre. Ok, donc cette porte va quelque part. Ah! Ah! Attendez. Ah. Quoi? Culprit, Mr. Fonger Queen Birzer. Ouais, charge. Claimed he had no wife. As a painting depicting a naked person in his house. Broke his wife favorite teapot in anger. Was observed spending a night with a neighbor's wife. Walter Knie. Charge. Filtered sweet him with different married women during the party convention. War ridiculous Edgar at 5 public event. Claimed he had no betrayed high arbitre Lazarus during his ritual of ascendance. Expelled from the party of ordered. Order. J'ai envie de crever. J'ai envie vraiment de crever là. Held a dinner party a few years ago where he offered large amount of wine to his guest. Got angry during the questioning and shooted at the height arbiter. Revealed the whereabouts of his hiding fugitive dissident daughter Mary and her husband Peter. Josh Bailey. Left his work at tannery early. Drank excessive amount of gin at the Skamy Cat. Drank excessive amount of rum at the Old Hack. Approach of Marian woman with an indecent offer, then yet four times during questioning that he had done this act. Horace Weeb. Oh le gros Weeb! Charge. Has no held done a job since the new regime. Evaluate at 60 instances of non-work. Oh. Secours! Claim he works in this castle helping his servant clean it. Possess five books. Keep his kept in his private library. He expressed willingness to donate his castle to the party. Ok. Gideon. Where on notre ajout hairstyle.
Brogdon enters the time during the questioning. Ah, merde. Refused to start working. Evaluated at 5 instances of jobskipping. Je take the height arbiter request that he share information of a secret entrance to the castle of his cousin, the sovereign. Ouais, hein. Four maximum virtue. Silence will perform your function as much as it required. It is paramount to answer order in your new society. Oh la vache. Oh la vache. L'envie de crever est présente. Remember the second virtue. Store confiscated object in evidence according to the virtue breached. Il y a une petite arnaque là par contre, hein. Petite arnaque, hein. Les comptes sont pas bons, hein. Pardon. Ok, ok, ok. Ouais, hein. Depuis 1792, quand il a gagné la majorité au Parlement et libéré notre gouvernement du chaos, d'un semblant de démocratie grâce aux différents partis, The Order Party, le Parti de l'Ordre, a travaillé dur pour installer son fascisme dans la société. Malgré la grande popularité, populaire support. Malgré le support populaire pour ce parti, Sa Majesté refuse de reconnaître l'autorité du tribunal de l'ordre. Le grand arbitre Lazarus Hearst a annoncé que dans 2 mois. Le parti et ses supporters allaient participer à une peaceful march to the king, à une marche pacifique, à un coup d'état à la résidence du roi, pour démontrer leur vertu de modération. Oui, oui. Alors, ok. To help the party, only upsetting air all day does not count as. Sloth? Ça veut dire quoi, sloth? War jobs and dishon, and thank god tobacco is not considered an indulgence. A bit boring too, too bad literature is forbidden. Tobacco. Et là, y'a rien. Attendez. Bon, de toute façon, attendez. Lust. Oh, mais c'est un cauchemar! Quoi? 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 Mais c'est un cauchemar! Trust ici, là. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Je vais survivre. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Mais il y a des mots que je comprends même pas. Il faut que je comprenne ces mots, sinon je vais pas m'en sortir. Je vais aller voir la trad. Parce que là, il y a des mots que je ne comprends pas. Alors, déjà, une... Alors, un... Ah, un petit... Dines. Propreté. La propreté serait interdite? Je pense pas, quand même. Ah, attendez. Le désordre. Le désordre. Ça serait dans modération, le désordre. Peut-être. Voyons voir pour Sloth. La paresse. Ça doit être dans Lust. Les erreurs. Peut-être là. Non, je sais pas, non, ça fait pas sens. Ça fait pas sens, hein. Ouais, ouais, hein. Cauchemar, hein, un peu, hein. Bon, il va falloir qu'on aille relire tout ça maintenant qu'on a un peu des éléments, hein. Voilà, on va aller relire, on y retourne. On va, hein. On y va, hein. Seconde vertu, sans confusion, hein, évidence according to the virtue bridge. Seconde vertu, c'est la modération. Ok. Et donc ça, c'est... Ah. Là, il a volé de la thune. Enfin, il a fait de l'arnaque. Story. Mais ça, c'est l'art. Ah, du coup, ça veut dire que... Ça, c'est fashion. Enfin, ou art, je sais pas. Ok. Il faut définir par rapport au coffre quel est le truc. Mais non, mais là aussi, c'est n'importe quoi. Attends. Gideon. To start walking. Attends. Je. Oui, alors. C'est pas si simple. Seconde vertu. Ce tir de vertu. Ok. Est-ce que Fashion en est sûr? Ah, je sais pas. Je suis perdu. C'est horrible. Mais qu'est-ce que je fous dans ma vie? Quelle est ma vie, putain? Mais j'avais pas vu ça, merde! Donc lui, il a été jugé coupable. But again, the first virtue.
Je sais plus. Je sais même plus où j'en suis, je retiens plus rien d'une page à l'autre. J'ai envie de crever, putain. Qu'est-ce que... écoute, dommage. Putain, la vache. Fashion charge. Mais qu'est-ce que je suis en train de péter un plomb? C'est impossible, le jeu est impossible. Le jeu est cauchemardesque. Mais ça, ils disent que Zart, c'est affaire de vertu. Ce four de vertu. Ta équipe, nos secrètes. Mais quoi? Bridge, four de vertu, Yokudo, dame, quoi? Bah, deux contrôles, your émotion. Je vais crever. Attends. Mais c'est impossible! C'est un cauchemar! Oui, if the potential intermediate, your agent this potential floating of the first virtue. First virtue, c'est bien lust. Pourquoi ce lust est là? C'est quoi ce lust déjà? J'ai regardé tout à l'heure, je me souviens plus! Je sais plus. Ça y est, je suis perdu. Paresse. Mais je vois pas pourquoi ça serait dans Lust. Ça doit être dans Modération, ça. Écoutez, ça va super là. Remember the second virtue. The second virtue, c'est laquelle? Store configured object an evidence according to the virtue breached. Remember the second virtue. The second virtue. On sait pas quelle c'est la seconde virtue. Attends. Ça ne me donne aucune information, putain, bordel. Non mais je pense... Mais non, mais je sais plus, là, je suis perdu. Ça fait quoi, ça? On sait pas, on en a aucune idée, personne ne sait, merde.
Qu'est-ce que le fuck? Attends. Attends. Pourquoi ça, je peux pas voir? Pourquoi il y a ça, là? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que le bordel? Attends, lui... Contrôle your émotion, we are bitter to order, but never violated the first virtue. Mais c'est impossible! Attends, attends, attends. The virtue, ok, ok, ok. Donc, Fear Virtue, on est sûr que c'est Lust. Mais je suis pas sûr que Beauty, je sais pas. Hein. Fashion, pareil, je... Émotion aussi, pas sûr. Mais ouais. Dans le doute, je les enlève pour l'instant. Juste voir un truc, parce que là, on est en train d'essayer de me perdre, mais... Seconde Virtue, la paresse. Seconde Virtue, donc ça, c'est bien la seconde Virtue. The Tree Virtue is... Du coup, attends, il faudrait savoir entre Trust et Art. C'est forcément ça. Attends. The Phenomenon is Lust Excessive. Ok. Second Virtue is Moderation. At Work. Ok. Second Virtue is Art Vulgar. Ok. Ah, là, il se crée. Ok, d'accord, ok, ok, ok. Ok, attendez, attendez. Je suis à fond, là. On va y arriver, hein. Alors. Modération. At work. La paresse. Untidiness, ça veut dire quoi, déjà? J'ai oublié. On l'a vu il y a deux jours, il y a deux secondes, mais c'est pas grave. Untidiness, je sais plus. Untidiness. Le désordre. Est-ce que c'est ça le dé... Est-ce que... Je sais pas. Bon, attends. Ah, mistake sans doute. Excessive beauty. Là, ils en ont mis. Là, ils en ont mis. Ah, on a mis fashion. Ah, le vulgar fashion, on va dire. Emotion. Excessive emotion. Musique secrète. Trust, moderation. Loss, indulgence. Excessive indulgence. Il manque un truc pour. Attends, excessive indulgence. Idole. Il manque quelque chose pour Truss. Est-ce que je peux doubler Mistake? Non. Ah merde, je voulais pas échanger. Je voulais doubler Mistake. Attends, est-ce qu'il est encore là? Est-ce que je peux... Non, ça ferait pas de sens. Il y a mérite et indulgence. Lui, il a perdu des points de mérite. Il est mort. Sans doute l'idole. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Ah, bah si, attends. Idole. Et il a perdu trop de points, il est mort. To have the largest mérite déduction. Mistake déduction.
Bref. Déjà, je voudrais. Ouah, je voudrais comprendre ce que je fais, quoi. Fangor Queen, mais putain, mais je sais même pas qui est qui, moi. Fangor Queen, vas-y, fais voir. Mais c'est qui Fangor Queen? Attends. Walter Keane, Lothar Richard, Josh Bailey, Horace Pugh, Jaden Bell. Mais comment vous voulez que je sache? Je vais le crever. Je suis en train de me faire perdre calme. Et c'est impossible. Le jeu est impossible en fait. Rien qui va. Non, c'était déjà ça. Non, secours. Tobacco is not considered an indulgence. Attends. Une indulgence. Alors attends, si je mets indulgence là. Ok. Une indulgence. Indulgence. Comment on traduit indulgence? Finger Queen, c'est Morticia? Indulgence. Bah, indulgence, bah c'est super. Complaisance. Ah, attends. Excessive indulgence. Plaisir. Ah. Mistake. Qu'est-ce que j'ai foutu de mistake? Elles sont là. Lies secrète. Une âme! Il est interdit d'avoir toute âme! Il est interdit d'avoir des os! Pardon. Mistake, Untiness, Loss. Art, Fashion, Littérature, Musique. Twerk, Excessive. Alice, Lies secrète. Lui, il parle d'émotion tout à l'heure. Il parlait d'émotion. Control your emotion, but never violate the first virtue. C'est pour ça que j'avais mis emotion dans la first virtue. Never bridge the first virtue. Ah, les quatre vertus. Then, well, that I keep no secret. Attends. Ah, la first, ça serait. Mais non, mais la first, c'est pas. Mais non, 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 non. Mais ça, c'est la troisième! Attends, mais ça veut dire quoi, ça? Ce tour de vertu. Ah, mais ça doit être sur l'art! Ah, mais oui, ça, c'est sur l'art, c'est sûr! Ça, y a pas moyen que ça fasse sens autrement. Seconde vertu, c'est le taf. Donc, ça, on est sûr? Et c'est ça et ça où on n'est pas sûr. Enfin, sûr, c'est un grand mot, quoi. C'est un très très grand mot, sûr. Le truc, c'est que je sais pas quoi mettre dans Truss. Merde, j'ai perdu le jeu, là. All diligence. Ah non, ça fait pas sens. Émotion, non, bah non, ça fait pas sens non plus. Oh,
Je comprends rien. Je me souviens même plus de ce que ça veut dire une tidina, j'en peux plus. Je me demande s'il n'y a pas un truc avec l'excès de thunes. Désordre. Une tidina? Peut-être que c'est là, à le tout désordre. Et de seconde vertu, du coup, ça serait... J'ai enlevé un truc, je sais plus ce que c'est. Je vais te crever. Ah, j'ai enlevé indulgence. Attendez, faut que je voie un truc. Faut que je voie un truc. Your diligence. Je vais crever. Excessive emotion, on est sûr que excessive emotion ça fait sens? J'en peux plus. C'est trop dur. Attendez, par contre, il y a un truc. Il y a un truc qu'il faut que j'aille voir. Toi. 195. 92. 3 ans. D'accord. Plus. 3. Merde! Ah, 3 years! 3 years. Have passed since order party has size power. Devenu un tribunal. Machin est jugé. To have the largest. Je dirais mérite deduction. In all tribunal history to execute his punishment. Idol was used on him and he lost. On sait pas. Souhaites-tu tricher un tout petit peu? Aide-moi sur le truc des vertus, s'il te plaît. Donne-moi des indices sur le truc des vertus. Là, c'est là où je bloque et où je mon cerveau là et on n'en veut plus. Est-ce que alors déjà est-ce que dans les titres des vertus, il y en a une qui est pas la qui est pas le bon titre? Enfin, va plutôt en indice, donne-moi des indices. Il n'y en a qu'une qui est bonne. Est-ce que c'est Strauss qui est bonne? Ok. J'imagine que Lies et Secrets sont bons, mais une Tidinas, non. À mon avis, une Tidinas n'est pas bon. Ok, attends, donc... Attends. Ce serait pas Art, mais du coup, enfin... Oh la vache. Du coup, là, ni Lost, ni Moderation, ni Art sont des titres de... Attends, du coup... Littérature, musique. Ça serait pas... Effectivement, ça serait pas Lost, du coup... Indulgence ? Attends. Oh.
Et là, c'est pas modération. Alors, en même temps, ça fait pas sens. Intelligente. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi j'ai mis modération? Ah oui, modération excessive. Vulgaire. Attends. Ouais, là je pense que c'est modération. Est-ce que ici c'est bien modération? Ok. Excessive bones. At work. Qu'est-ce qui aurait pu se... Oh la vache. Ça, ici, je suis à peu près sûr de ces trois-là. Ça, je suis moins sûr. Modération. C'est super crade. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, moi, mon cerveau, il a décidé que c'était trop. Est-ce que tu peux... Sinon, je peux aller voir les hints. Hein. Je peux hint. Access int. R int. Drag the phrase to the matching picture. Oh la vache. Rose. Oh la vache. Dagger. Marie. Je suis pas sûr. Hein. Ink. Inkpot. Pipe. Fan. Paintpot. Oh la vache. Maurice. Harpe. J'en sais rien. Je sais pas. Ah, the virtue. Keep an open mind about the virtue and forbidden things, my friend. Remember, virtue itself. La diligence. Pourquoi tu me dis... Je l'avais marqué, diligence. J'avais mis ça, c'est ça? Non, non, virtue itself is a positive value. With punishable offense can be... Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, merci pour le follow, Toby5. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Tu as bien enlevé, ok. With punishable offense can be anything that the law worker... Dame despicable. Oh, maker. Faut littérature est something called fiction. Sometimes called fiction. Ok. Donc tu m'as dit diligence. Diligence at work. Donc attends, on a modération. Lust. Oh. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai envie de crever. Non mais c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. At work. Will be punishable. Donc... Attendez, qu'on y retourne. Avoir une âme au travail est punissable. Donc la paresse. Les erreurs. Une tidine, j'ai encore oublié ce que ça veut dire, putain de merde. L'indulgence. Je veux dire. Oui, mais l'indulgence, on comprend rien. Mais je pense que indulgence c'est dans modération. Forcément. Indulgence. Attends. Udiness. Donc c'est Udiness. Attends, pourquoi je... Qu'est-ce que je suis en train de... Non mais attends.
Aucun désordre. Est-ce que ça serait dans diligence ou modération? Excessif désordre. Non, je pense qu'ils veulent aucun désordre au travail. À moins que untidiness, ça soit la the sixth virtue. Non, ça n'avait pas de sens. Modération. Excessive. Excessive indulgence. Excessive. Ah. Est-ce que. Non. Excessive emotion. Excessive fashion. Fashion. C'est où? C'est où fashion? J'ai perdu fashion. Là. Excessive fashion. Mais la beauté, bien sûr! Bien sûr! So, c'est vu, is beauty, vulgar art, littérature, musique, will be punished. Stress, lies, lies secrète. Il manque un truc. Et bones. Lust? Mais attends, mais du coup, lust. C'est vrai que là, lust n'est pas posé. Comment ça se traduit exactement, lust? Mais c'est la luxure. Non, Lust c'est là. J'ai les quatre vertus. Ok, merci. Indulgence, emotion, fashion. Sort mistake, intimness. Mais là, il y a plus de deux slots qui sont mauvais. C'est le péché capital de luxure. Il y a un truc qui est vraiment dans sa logique et le type qui est vraiment pour la logique. J'ai pas compris. Moderation, diligence, beauty, trust. Moderation, diligence. J'en peux plus, c'est horrible. Est-ce que tu peux... Qui est vraiment ça dans sa logique. Est-ce que tu peux m'aider encore? Attends, je vais voir le hint que j'avais vu. Access hint. Un de virtu. C'est dégueulasse. Si littérature est dans trousse, je pète un plomb. C'est dégueulasse. C'est quoi que je viens de virer? Lust? J'ai capital de luxure. Où est-ce que je mettrais lust, moi? C'était à ça que je pensais, c'est le cas, et c'est un truc qui est considéré comme ça dans des sectes chrétiennes. Ok, oui, non mais... oui, je vois le truc. Mais c'est sale, oui. Bon, est-ce que tout ce panel est bon? Lies secrète, littérature, trousse, est-ce que c'est bon? Moi, je mettrais désordre ici parce que normalement, dans la beauté, pas de désordre. Si on suit le genre de logique de ça. Mais apparemment, je vais me faire foutre. Ah, mais non, mais vulgaire désordre, non, ça marche pas. Putain. Mais où est-ce que je mettrais lust at work? Je sais pas. Excessive mistake?
Je comprends pas. Oh, attends, il me manque. On a dit paresse. Lance at work. Indulgence. Mais je sais pas, je sais plus. Puni des trucs vulgaires, donc ils peuvent être de bon goût s'ils ne sont pas vulgaires. Art, musique. L'âme. Les os. La mode. Genre l'autre là qui a été. Il est où? Gideon. Outrageous hairstyle. Vous inquiétez pas, je suis au max là. Troisième vertu est bonne, ok. Mais fashion n'a rien à foutre là du coup. La colonne is good, ok. Les émotions excessives sont punies, je pense. La paresse au travail est punie, je pense. Est-ce que ces deux slots sont bons? Déjà. Partons d'une base. Voilà. Oui, ok. Maintenant, il faut qu'on trouve ce qui va dans diligence et ce qui va dans modération. Ça veut dire quoi déjà, diligence? C'est genre application? Lust, ça doit bien aller quelque part. Lust, ça va soit dans modération, soit dans, dans diligence. On sait pas trop, donc c'est compliqué. Il manque autre chose. Indulgence. C'est la vertu du burn-out. Bah, je dirais indulgence, du coup. Et il y a désordre aussi. Désordre, je le mettrai là. Lust, je le mettrai là. Et il manquerait quelque chose pour là. Bah, les mistakes. Ok. 1 ou 2 slots sont incorrects. Je dirais que cette colonne est correcte du coup. Ah, moi ça soit indulgence. Yes, putain, merde. Fais chier, quel cauchemar. Ok. Bon. Maintenant, les mathématiques. Maintenant les maths. Merci de ton aide. Et là on va s'amuser quoi. Bah par exemple Gideon. Gideon ça nous aide pas. Gideon ça nous aide pas. Toi peut-être. Émotion, trop d'émotions. Écouter de la musique. Il a eu 20. Et il a 11. Donc il a perdu 9. Donc. Il a fait un truc mal ici et ici, je dirais. Ok. Lui, il avait gagné 20, il est à 12.
Il a gardé le bouc. Donc c'est sans doute. C'est Lies, il a gardé un livre. Ça doit être dans Lies du coup. Et l'alcool. Attends. L'alcool est là. Donc la première vertu. Modération. Ah, c'est quoi? C'est diligence. Il a fait des erreurs. Là, c'est l'art pas ouf. L'art pas fifou. Là. Ok. L'art très très sale. Tout à fait. Alors, attends. Donc lui, il a brèche la première vertu, la modération, et avec le bouquin, la vérité. Keep the book legacy of the ordinacy in the study. Il a 12 de mérite sur, alors qu'il avait 20. Il s'appelle comment lui? Jamestown. Ah oui, donc il a pas de. Il a pas de truc là en bas. Oh. Mais lui il a fait les mêmes erreurs. Non, il a pas fait les mêmes erreurs. Non. Celle-là vaut plus cher que celle-là. Et celle-là, ils l'ont en commun, mais pas celle-là. Lui, il a celle-là, alors que James a celle-là. Qui est plus grave. Quoi? Attends, non. Parce que lui, il a 11. Et comment ça se fait? Comment c'est possible? Bon, écoutez, voilà. Mais vous, avez pas de truc de littérature mes couilles, là. Attends. Il y avait la liste des gens qui passaient. Ah mais non, on savait pas les gens, non, on savait pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Lui, il a menti. Il avait 10, il a perdu 2. Il avait dit s'il a perdu 2 pour avoir pour 2 mensonges. Non. Pour 2 mensonges, il a perdu que 2. C'est trop bizarre. Comment c'est possible? Enfin, pour un lies et un secret. Heureusement que la triche est moralement autorisée parce que c'est ignoble. Oui. Oui. Donc ça serait moins 1 de mérite à chaque fois? Merde, il faut que. Non, il faut que je mette ça. Moins 1 de mérite par mensonge? Et what the fuck? Impossible. Je pense que c'est des. Pour l'instant, c'est dépatouillable, t'inquiète pas. Effectivement, c'est dépatouillable. Bon, lui. Ouais. Donc lui, il avait 10. Il a perdu 6. Il a fait une erreur au travail. Il a fait de la merde... Il a perdu 6, c'est ça? Oui. Donc là, ça fait 3. Ça fait 3. 3. Yes. Toi. Il n'y a pas de truc sur lui, lui non plus. À
Annie Fashion Charge. Mais je me demande si lui... Je pense que c'est Gideon Bell. Je pense que c'est Gideon Bell. Je suis pas sûr, mais... Peut-être. Non, mais ça, je pourrais le déduire qu'après avoir fini de compter. Hein. Continuons de chercher les points, du coup. Alors, attends, on sait pour là. Et lui, il a fait quoi, déjà ? Anger, donc première... ça peut être chargeant in Anger. Machine Music in this manor. Sur 20, il a perdu 9. Mais comment ça? Comment il a perdu 9 points en écoutant de la musique et en foutant une baffe à un man? Je sais pas. Je sais pas, je vais voir lui, c'est mieux. Lui, c'est full bourré la gueule. Moderation. Et là, moins 1. Et il a 12. Ça ferait 7. Ça serait 7 ici, mais non. Et c'est vénère. Comment ça? C'est impossible. Impossible. Parce que ça voudrait dire que lui... aurait perdu 7. C'est... Ouais, c'est rude pour Amrandi, ouais. Je pense que je me trompe, hein. Il aurait perdu 7. Ce qui fait... 18. Et là, l'art vaudrait 2. Non, mais je me trompe totalement. Quoi? Mais c'est quoi? Quoi? Mais non, mais c'est impossible! Par contre, j'ai un truc trop bizarre là. Sur le stream, j'ai vu. Pourquoi j'ai un truc de. What the fuck? J'ai mon stream, il a pété un pour moi. Affiché. Attendez, j'ai un problème sur le stream. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais non. J'ai fait une dinguerie apparemment. Ah merde. Mais je veux pas moi. Qu'est-ce que... Là, les choses ont géchant. Hein. J'ai un problème sur... Et pourtant, c'est une secte, mon chat. Oui, c'est vrai, oui. Réinitialiser l'interface, non, peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai un problème con. Qui est même pas problématique, là, pour... là, hein, mais... ça me disturbe. Pourquoi j'ai ça d'ouvert? Quoi? Mais... Attends. Ouais. Eh ben... Écoutez. Il faut que j'arrête de m'emmerder avec ça, je régulerai ça pour plus tard, ça ne change rien au stream, d'accord? Je crois. Non mais en fait... Allez, je montrerai peut-être plus tard en hors stream en... avec une capture d'écran et peut-être tu sauras comment enlever ça parce que c'est vraiment rien, ça me perturbe mais c'est vraiment rien. Faut que je me calme. Tu sais, ça fait... en fait, d'un côté, j'ai l'aperçu de ce qui est en cours et j'ai le programme pour changer la scène. Genre, si je fais ça... Mais non, mais là, ça change déjà la scène. C'est trop bizarre. Il y a... Tu sais, il y a aperçu jeu, il y a un truc au milieu avec transition mes couilles et après, il y a programme jeu. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, il se dit il faut absolument faire ça. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé pour ça. Toujours, c'est très compliqué, quoi. Hein?
Non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une... Mais non, mais oui, mais je peux pas... Du coup, je peux pas voir... Oh non, j'ai fait une bêtise. Oh. Mais non, mais maintenant, voilà, maintenant je suis dans la merde. Pourquoi il y a ce truc de transition en plein milieu qui est arrivé? Mais qu'est-ce que j'ai demandé? Moi, j'ai demandé rien à personne. Attends, je... Voilà, rétablir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non? Quoi? Non, vas-y, ça me perturbe plus trop, faut qu'on règle ce problème. Ça sort de nulle part, ça me saoule. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai envie de crever? Pourquoi? Pourquoi me faire ça à moi? Dans cette économie? Un truc à pop sur OBS. Bah en fait... Je sais pas comment expliquer. Mais c'est trop perturbant. C'est trop perturbant et je suis en train de me perdre sur ça alors qu'on s'en fout. C'est... Enfin... Ça me perturbe mais ça m'empêche pas de stream en fait. Pourquoi ça me fait ça? Je comprends pas. Bon, il faut que j'arrête de... Qu'est-ce qu'il me dit? Faut que j'arrête de regarder ça. Ok, je vais mettre un truc là. Hop, hop là, je mets ça là. Comme ça, je ne vois pas l'écran. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a un truc là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors, revenons au jeu. Oui, c'est rien, mais ça me stresse. Revenons au jeu. Alors, on n'a plus qu'à faire les calculs. On n'a plus qu'à faire les calculs, bien sûr. Donc, pour ça, Fonger Queen, du coup. Il a menti. Donc ça fait 1. The painting depicting the naked person in his house. Ah, est-ce que c'est luxure ou... ou art vulgaire? Je dirais vulgaire, ça fait 3. Broke his wife favorite teapot in anger. 7. Donc 10. Spending a night with neighbor wife. Là, lust. Donc on était à 10. Plus 7, 17. Ça serait moins 17 qu'il aurait, Fangor? Oui, on verra ça, je te streamerai le truc, tu me diras. Walter Kni, c'est bien ça? Ouais, Walter Kni. Fashion. Moins 2. Partie convention. Ça doit être Lust. Moins 7. Donc on est à moins 9. Comédia, non, betrayal, arbitre, mensonge. Moins 10. Expelled from the party of Ordor. Lui, il a moins 10. Peut-être. Les 3 fois sont comptées. Les 3 fois sont. Les 3 femmes et différentes Marianne Woman during the party convention. Party convention. Donc c'est Lust. Oh, la vache! Ah oui, d'accord. Effectivement. Attends, c'est Lust? Euh...
fait 21. 22. Attends, reviens. 22. 24. Ça ferait 24. C'est faux. Bon. Au moins, il y a quelque chose de juste. Notre terminé. Ça, c'est bien, c'est bien Lost. Ah, Five Public Events. Ah oui, d'accord. Ah, merde. Ok, donc, je retire. Ah, la vache, c'est chaud. Je retire donc 2 de mon 24, ce qui nous amène à 22. Donc c'est 2 fois 5, ce qui nous fait 10, donc c'est 30. Je vous ai déjà dit que j'étais pas bon en maths et que j'avais une phobie des maths et que c'était vraiment compliqué les maths. Donc 3 fois 7, 21. Somme toute logique. 5 fois 2, 10. Somme toute logique. Et là, 1. Donc, 21 plus 10. Merde. Déjà, ça fait 31 déjà. Ça fait 32. Comment c'est ? Ah! Ok, c'était bien un problème de maths! Ah, j'imagine pas la purge du dernier niveau, putain! Ah merde, j'ai mes lunettes des Yolos, attendez! Bon! Lothar! Et Josh Bailey, bien sûr. On va commencer par Lothar. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Lothar? Years ago, where he offered large amount of wind to his guest. Donc 7. Then during the questioning, and shooted at the height arbitrary. 14. Revealed the whereabouts of his inning fugitive dissident Dr. Marie and I want Peter. Plus 15 mérites. Donc il a gagné un mérite. Est-ce qu'il faut que je fasse 0-1, je pense. Josh. Je crois que le jeu a conscience d'être overwhelming et compense en étant sympa avec son système de validation sur ce passage. Oui. Oui. Je pense. Left histoire que early. Ce qui nous fait 3. Tank excessive amount of engine at the sky 4. 10. On a 10. Excessive amount of run at the old tacu. Plus 17. Prochain Marianne Woman with an indecent offer. 17 plus 7, alors là, écoutez, 24. Didn't free time during questioning. 24 plus 4. 28. 28. Et moins 28. Ah! Horace Weeb. Horace le gros Weeb. Giga Weeb Horace. Qu'est-ce qu'il a fait, Horace? As long as I've done a job since the new regime. Alors. Alors attends. Ça ferait 60 fois 3? 60 fois 3? Oh putain, la vache. 18, donc 180, c'est ça? C'est où je me plante complètement, peut-être? C'est possible, hein? 180. Même mémoire, Clinis Castle, et Pink qui servent de Clanit. 181. Plus de 100 mérites. 181. Possède 15 books kept in this private library. Mais attends, mais les books, c'est où que c'est interdit, du coup? Donc ça, c'est littérature. 181 plus 15, 196.
Evil Dead a plus 200 mérite. 196, 200 moins 196, 4. Donc il a gagné 4. Voilà, je... Les efforts du monde là que je fais. Hein. Je rappelle, hein, j'ai des problèmes avec les mathématiques, avec le calcul. Hein. Le calcul mental et moi, c'est la mort. Hein. Gideon maintenant. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Gideon? Il a wear un étrajou Serstyle. Donc 2. Il a chialé 10 fois, 70. 72. Il refuse to start working. 5. 15. 72 plus 15. 72 plus 15. 72 plus 15. 87. 87. J'ai dit que tu as trouvé une enquête à Tisha, information. 88. Alors là, vraiment, ça m'épuise mentalement, c'est terrible. Donc c'est bien lui, j'avais raison, c'est bien lui qui est dead. C'est Gideon Bell. To him, and he lost 88 de mérite. Quoi? C'est sûr, on va dire, c'est pendant during le tribunal, Gideon Bell is jugé to have the largest... Ah, le tribunal history. To executive management. Peut-être pas idol. J'ai dans him and he lost 88 merit and die. Bones? Non. Il y a un truc qui me manque. Bah, je. Ça m'étonne pas. Revoyons le corps. C'est vrai qu'il est très rabougri. My name just look at for my face. And you can know my name. So the skeleton in the dark and full of terror. You know my name, look at my face. Look at my face. Qu'est-ce qu'ils disaient les autres? Avec quoi ils sont exécutés? Il y a un truc qui me manque. Un truc, un seul et unique qui est faux. Qu'est-ce qui est faux? C'est Idol? Est-ce que c'est Idol qui est faux? Non. Ok. Donc c'est un des deux mérites pour moi. Attends, est-ce que tu peux me dire la couleur du truc qui est faux? Bah, c'est forcément du jaune. Après, pourquoi pas, hein? Attends. To not push any fashion charge. Jaune. Donc c'est un des deux mérites. Je sais plus là, je suis perdu. Attends. Done in Terce Time during the questioning.
So to start working, rejeter the... Merde. C'est impossible. Non, vas-y, j'ai besoin que tu m'aides, j'arriverai pas là, c'est impossible, c'est trop dur. Le jeu est horrible, c'est un cauchemar. Je vais te péter un plomb. Je vais en finir avec ce jeu de merde. Ah la vache. 88. C'est pas année. 88 années. Quoi? Ça enlève des années? Ah mais ça il fallait que je regarde. Ok, il fallait que je regarde ce qui était, que j'analyse dans les autres, en allant voir dans les autres chapitres ce qui était dans l'idole. Enfin le code dans l'idole, The Order partie à CZ Power en No Force of Four Maximum Virtue. The Young Duck Gideon Bell was jugé du ring the tribunal to have lost 80 minutes. The 8 habitat of the party, the Arius Earth, is that the idol to decrease the Gideon Hood. So yeah, which results in these days. Ok, donc il fallait que je regarde. Ok. C'est vrai que j'ai pas voulu faire ça parce que ça me cassait les couilles. J'avoue tout. Mais il fallait que je regarde ça. Donc attends, c'est la canne sans le point, le rond et le T sur le côté. Mais si je te filais ce type, tu aurais direct deviné, donc autant que je te donne le truc direct. Oui. Merci. Faudrait que je voudrais juste retourner voir. Attends, alors déjà ça, ça dit quoi? Faut que je vois les signes. Quel cauchemar, hein. Et l'idole est bleue. Elle a été bleue. Non, là, on n'a pas de truc de l'idole, là. Les trucs qui expliquent l'idole, c'est là-dedans. C'est là. If the eye is blue, you can't only perform. Hein. Donc, il y a eu donc, la canne, effectivement. La canne. Il y a eu la canne, le cercle. Attends. Increase, matter, et le T sur le côté, on sait pas ce que c'est. Increase, matter. Bah, j'imagine que c'est le vieillissement. Ils aspirent et redonnent des années. Ok, oui, donc l'idole prend des années de vie et on enlève et peut en redonner avec le truc de transmission. Ok, d'accord, ça marche. Pff, c'est un cauchemar, hein. C'est cauchemardesque, hein. Bon, il reste le dernier chapitre.